qui permet de rendre liquide un savon solide ou un savon liquide qui n'est pas fluide comme de l'eau. Ok, alors pour les sardines, cela permet, pour les chalazim, c'est interdit. Je vais expliquer un peu de quoi il s'agit. La Gemara dit qu'on n'a pas le droit de casser de la glace Shabbat. Fin du troisième chapitre de traité Shabbat, c'est écrit ainsi, la dernière ligne de ce chapitre. Et dans les décisionnaires médiévaux, ont été données trois raisons à cela. Une, de peur que si on va autoriser à casser la glace, on va aussi autoriser après à presser des fruits pour en faire du jus. Parce que quand on casse la glace, ça crée de l'eau. On ne voit pas que les gens, par analogie, se disent si je peux casser de la glace, donc je peux aussi presser des fruits. Donc c'est interdit de casser de la glace. Deuxième raison qui est unique, c'est seulement Rashi qui la cite, il dit parce que ça ressemble à comme si on créait de l'eau. Et troisième raison qu'amènent les décisionnaires, c'est parce que c'est nolad. Nolad, c'est-à-dire qu'on va changer le statut d'une chose. Elle était solide, la glace est solide, et devient liquide, elle devient de l'eau. C'est interdit. Maintenant, les Sfaradim ont accepté les deux premières décisions, mais n'ont pas accepté la troisième. Les Ashkenazim ont accepté aussi la troisième décision. C'est pour cela que les Ashkenazim ne peuvent pas changer pendant Shabbat le statut d'un solide en liquide ou un liquide en solide. Donc s'ils prennent maintenant de la glace et la mettent dans une assiette vide, le liquide qu'il y aura au bout d'un moment est interdit. Pour eux, c'est Mouktsé. Ou le contraire, ils prennent maintenant de l'eau en fond de la glace pendant Shabbat, c'est interdit. Pour les Sfaradim, c'est totalement permis. Donc nous faisons des glaçons sans problème Shabbat. On peut aussi prendre un glaçon et en avoir le résultat, c'est-à-dire un glaçon fondu de l'eau et le boire. Vous me direz alors quoi? Les Ashkenazim ne peuvent jamais mettre un glaçon dans leur whisky ou dans leur bière ou dans leur Coca-Cola. Oui, c'est permis. Pourquoi? Parce que le résultat nolad, c'est-à-dire de l'eau qu'ils font, il est annulé dans la boisson. Il y a toujours un petit millimètre de glaçon qu'ils font. Ce millimètre est directement annulé par au moins 60 parties supérieures du Coca-Cola dans lequel ils font. Si se peut qu'il y a. Dont le volume des glaçons sera une partie importante de la boisson, mais étant donné que quand ils font, c'était qu'une petite partie qui font, chaque petite partie immédiatement est annulée, et ainsi, donc on annule, etc., et toute la boisson reste permise. Mais si le glaçon fond dans une assiette vide ou dans un verre vide, le résultat pour l'Ashkenaz est interdit, pour le Sfarad est permis. Alors, idem au niveau du savon aussi, on n'a pas le droit d'utiliser un savon solide en le frottant par exemple, parce que là on le lisse, encore un autre interdit de Shabbat. On parle de lisser pendant Shabbat. Si par exemple maintenant un savon était dans de l'eau et on revient après quelques heures, il s'est complètement liquéfié, il n'y a aucun problème, on peut utiliser, on peut a priori faire une chose pareille, aucun problème. Parce que je n'ai ni lissé, j'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait? Simplement je l'ai rendu liquide. Pour les Sfaradim c'est permis, pour Ashkenazim c'est interdit. Un savon liquide qui n'est pas fluide, tout dépend à quel point il est liquide. D'habitude, si on verse la chose, elle verse en continu, bien que ce n'est pas très fluide, on considère que c'est un liquide et donc il n'y a pas de problème de nolade. Il est déjà appelé liquide, donc même pour l'Ashkenazim, il n'y aura pas de problème à le rendre liquide vu qu'il est déjà liquide. Shabbat Shalom.